Bonjour, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette carte. À tout de suite. Alors pour cette création, j'ai déjà préparé des choses d'avance, dont cette libellule que j'ai découpée dans ce dies-là, dans un papier imprimé que je vais utiliser recto verso. Donc je vous montre. Voilà la marque du papier, s'il vous plaît. Ensuite, donc, mes trois pages pour ma carte. Un fond 12-12, le papier imprimé 11-11 et 10-10 pour la première page que je vais... Alors, je vais prendre, que je vais ancrer, je prends un pochoir... Je prends également des mousses que j'ai trouvées au rayon maquillage à Action. Donc, c'est la première fois que je vais les utiliser de cette manière. J'espère que je ne vais pas avoir de surprise, on verra bien. Je vais commencer par un jaune qui va se dégrader. On va essayer de le dégrader par un orange. Alors, j'essaye. Alors, on va y aller. Voilà, tranquillement. Pas trop appuyer, on n'appuie pas trop au démarrage. Voilà. Un peu plus dans le coin de la carte. Et ensuite, avec le orange, je vais faire très foncé sur le bord. Et je vais essayer de fondre les couleurs. Voilà. Je pense que ça va aller. Voilà, c'est tout à fait ce que je voulais. Alors, je vais également, donc ma libellule, je vais la coller ici. Je vais peut-être faire le contour d'abord en orange. Alors, je vais reprendre la mousse et je vais faire le contour de cette carte pour souligner le relief. Je colle la libellule et après on mettra avec un tampon le mot de votre choix suivant l'occasion de l'envoi de cette carte. Alors moi j'ai choisi le délice des retrouvailles. Alors là, délice des retrouvailles. Hop. Alors par contre en gris, je n'ai pas de Versafine grise, mais j'ai une Distress. Donc je vais essayer déjà sur un brouillon pour voir ce qu'elle donne, parce que bon, j'aurais voulu quand même avoir un gris, parce que je crois que la Distress quand même, c'est pas aussi top forcément que la Versafine. Bon, ça ira très bien pour cette carte. Alors... je vais le mettre ici. Et ensuite, eh bien, je vais coller mes trois pages les unes derrière les autres. Voilà, cette carte toute simple, hein, très rapide à faire et qui est... moi, je trouve hein, personnellement du plus bel effet. Ma carte est maintenant collée. J'espère que ma vidéo vous a plu et vous aura donné des idées. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires et on se retrouve bientôt. Au revoir !